Bonjour, alors au mois d'avril, l'Institut français a reçu Sylvie Tessu dans le cadre du ciné-première avec son film La vie d'une autre. Puis nous avons continué avec un rendez-vous des enfants assez particulier ce mois-ci, puisqu'on nous avons fait un spectacle de marionnettes par Yaniv Peretz. Puis nous avons changé notre exposition ce mois-ci. Donc nous vous proposons des photographies de Roland Beaufre sur le thème l'art de vivre avec les livres. Et toujours pour continuer avec la photographie, nous vous avons proposé un atelier iPad sur la photographie, prendre des photos et les retoucher avec un iPad. Puis pour continuer au mois d'avril, donc dans le cadre de Yom HaShoah, nous organisons un spectacle musical par Jacob Ragay qui lira le journal de Libre Orman et il sera accompagné de Maïtal Kouchard au violoncelle. Ensuite, les 21 et 22 avril, donc nous vous proposons une rétrospective autour de Cécile Clerval-Millau. Donc notamment autour de ses documentaires La Commune, 1871 et Drancy, mais également autour du compositeur français Darius Milhaud. Donc tout ça se passera à la Cinémathèque. Et enfin, pour finir le mois d'avril, une rencontre avec David Grossman autour de son dernier livre Une femme fuyant l'annonce. Voilà, donc un entretien qui sera mené par Francine Kaufmann, ici même à la médiathèque.